Ben, c'est vrai que les vins de Savoie se portent plutôt, plutôt bien. C'est vrai qu'on a passé une saison hivernale 2021 qui a été vraiment horrible. Les restaurants fermés, les remontées mécaniques fermées. Nous, c'est entre 50 et 60% de la commercialisation qui se fait pendant cette période hivernale en restauration. Donc vraiment, ça a été la douche froide. Cette année, on n'est pas encore à la fin de la saison hivernale, mais ça va beaucoup mieux. Les ventes se comportent beaucoup, beaucoup mieux. On a du monde. Il y a de la fréquentation en station, donc c'est plutôt positif. Après, ce qui est malheureux là-dedans, c'est qu'on rentre la plus petite récolte qu'on a jamais rentrée depuis plus de 30 ans. On est à 25% de baisse de récolte sur la récolte 2021. Donc, on risque d'avoir des petites tensions. On risque d'avoir quelques ruptures. Et ça, c'est vrai que ça fait un petit peu mal au cœur de se dire... voilà, de passer vraiment d'un extrême à l'autre. Maintenant, ça va être à nous justement, et c'est le but du CIVS, de régler, de réguler l'offre et la demande. Mais alors justement, comment on rattrape ça? Le problème, il est là, c'est que je veux pas être non plus trop vénal ou faire peur aux consommateurs, mais c'est d'équilibrer les prix de vente, parce qu'on a un gros problème encore en vin de Savoie. C'est vrai que c'est la valeur du vin en vrac qui laisse à désirer, parce qu'on est parfois et souvent en dessous des coûts de revient. Quand on vend en vrac, c'est vrai que la plus-value et la valeur ajoutée, elle est faite dans les caveaux, elle est faite en vente, à l'export. Et donc, il faut qu'on augmente cette part-là. Il faut qu'on augmente la part de la vente directe. Il faut qu'on augmente la demande. Et c'est très dur d'augmenter la demande en période de récession. Bref, voilà, moi, mon message d'optimisme, c'est surtout de voir des jeunes et des jeunes qui ont envie de s'impliquer. On est optimiste quand on voit que petit à petit, la situation s'améliore, la situation sanitaire s'améliore, que... On commence, voilà, on a des restaurants qui restent ouverts, on a des stations qui restent ouvertes, on a plein de choses qui montrent que ça va plutôt dans le bon sens, plutôt dans le bon sens. Les autres pays aussi, on voit bien que ça avance. Les étrangers qui reviennent, les Anglais, les Belges, voilà. C'est pour toutes ces choses-là qu'effectivement, on a ce mot optimiste qui ressort de plus en plus et on l'est. On l'est, on a vraiment envie de l'être. Devant l'optimisme, devant le travail accompli pendant cette période de 2 ans, on va dire, hein, de 2 ans de crise Covid, il y a eu du travail qui n'a pas été visible, qui était un peu du travail en souterrain. Et puis quand on voit, c'est pas l'aboutissement, mais quand on voit justement que maintenant on va pouvoir le mettre en musique, avancer et que ça se concrétise sur des salons, notamment il y a un voyage avec le CIVS aux États-Unis sur l'export, c'est toutes des choses comme ça. Et le message qui était à faire passer, moi cet après-midi et ce matin, j'ai été peut-être un petit peu virulent avec les collègues viticulteurs en leur disant presque textuellement, il faut arrêter de, un terme patois, roumianer. Je ne sais pas si vous connaissez roumianer, ça veut dire il faut arrêter de ronchonner, il faut arrêter. Il faut y aller, quoi, parce qu'on a, une fenêtre qui est ouverte devant nous avec le manque de production de vin. On a nos vins qui sont reconnus, je dirais, à leur juste valeur, pas financière, mais à leur juste valeur qualitative. On a encore du travail, il faut pas s'endormir sur nos lauriers, hein, il faut aller de l'avant. Et c'est pour ça que c'était important de le dire, de passer le message. Plaisir d'avoir quand même Martine Berthet, d'avoir des gens qui se sont déplacés, chose qu'on ne peut pas faire en visioconférence.